Bonjour et bienvenue dans la matière du Bitcoin. Nous sommes le jeudi 22 août 2019 et les gens ont peur. Voilà. Et ils ont raison, hein. C'est vraiment très très moche hein, ce qu'on voit ici. Oh là là, et vous avez vu ça les copains? C'est une divergence ça, ouais. Entre ça et ça. Non, ça va, c'en est pas une. Mais disons que le momentum reste très baissier au niveau du weekly. On avait parlé de la possibilité de faire un W en début de semaine ici. Ben là, c'est plutôt très mal engagé, puisqu'en fait, on fait des M suivi de M suivi de M. Et on voit très bien au niveau weekly que, au niveau de force de prix, on est clairement parti dans un channel baissier. Ce qui n'est pas très positif, hein, on va dire. Et ce qui peut expliquer comme ça cette incertitude globale sur le marché des cryptos. Petit rapport avec le sentiment. Alors, à quel point est pertinent ce Fear Greed Index? En général, on veut acheter dans des moments de peur extrême et on veut vendre des moments de greed extrême, d'avarice extrême. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est pas pertinent? Ben, je vous invite tout simplement à regarder les moments de greed ex de fear extrême si ça correspondait à des bottoms et dans les moments de greed extrême si ça correspondait à des tops. Personnellement, je suis assez convaincu que ça fonctionne et a priori historiquement les gens n'ont jamais eu aussi peur hein, en tout cas pas depuis plus d'un an donc c'est plutôt bon signe en tout cas si on est bull en se disant que ben à partir du moment où tous les rats ont quitté le navire on peut envisager un petit rebond potentiel voire très agressif. Ce n'est pas un conseil d'achat que je vous fais ici mais si vous tradez le sentiment si vous êtes personnellement, j'aime l'idée de trade le sentiment, c'est-à-dire le sentiment contraire, la probabilité étant du côté des moins nombreux. Les moins nombreux, bah, sont boules actuellement. Je vous dirais aussi que ils sont boules, mais ça ne veut pas dire que c'est une opportunité d'achat ici. On va passer tout de suite en daily. Regardez ce qu'on a sous nos yeux ébahis. Ok, donc on voit des M dans des M suivis de M, hein, globalement, hein, quand le marché vous sourit, c'est qu'il veut vous prendre votre argent. Bah, j'ai bien l'impression qu'il est très souriant, hein, ce marché. Hein, la tête à Toto, trois fois. Ça fait mal. Ça fait mal de voir ça et c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Alors, ce qui laisse suggérer que les mois à venir risquent d'être plutôt moche, hein. Bien sûr, je peux changer d'avis demain ou après-demain. Il suffirait que on revienne en daily faire un W, YOLO, et qui plus est W avec une divergence. Bon, là, il n'y en a pas qui est en préparation, aucune divergence en préparation. Donc, bon, un simple W en daily, ça pourrait être rassurant pour pas mal de gens, même si pour moi, on est quand même dans une situation où ça sonne un petit peu le glas et un retour dans des mois un petit peu difficiles. Bien sûr, aucune certitude là-dedans. Il suffit d'un tweet. Il suffit d'un tweet. Voilà. Pour que toute la situation change. Et gardez ça en tête. Hein, il suffit d'un tweet. Il suffit d'une baleine. Il suffit d'un tweet. Il suffit de rien du tout. Et plam, tout change. Donc, pour l'instant, ne vendons pas la peau du boule avant de l'avoir tué. Ne vendons pas la peau du boule avant de l'avoir tué et observons, agissons. Je pense qu'il y a des opportunités, ne serait-ce que de trade, pour si vous voulez apprendre un trade, faire du day trading ou alors des swings. Les swings, même si on n'est pas parti sur des new highs, sur des nouveaux sommets, on a eu vraiment des belles opportunités de prendre des trades très sympas avec des instants de momentum très forts. Ceux qui ont été bear ici ont été largement récompensés. Enfin voilà, ça reste un marché très intéressant. Regardons ça. On arrive quand même dans des zones d'achat intéressantes hein, par rapport à ici. Hop, je vais remettre à l'endroit. Zone de rechargement de longue. Donc plus on va aller et plus ça sera intéressant à acheter. Et aussi zone de rechargement de longue. On va faire les deux hein, tout simplement. On arrive sur une zone de convergence quand même assez épatante. À savoir que reload zone dans reload zone, hein, les copains, c'est un setup. Ça fait une bonne opportunité d'achat. Ça ne veut pas dire qu'on ira plus bas. Personnellement, considérant le niveau de peur extrême et donc finalement les gens qui sont très peu enclins à ouvrir un long ici,
Et par rapport aux zones de liquidité que j'utilise avec un autre site internet payant, mais que je ne partage pas avec le public, on sait que dans cette zone-là, jusqu'à 9200, 9300, il y a des gens qui attendent d'être liquidés. Et comme vous le savez, les queues aiment bien être mangées. Donc je serais enclin à penser qu'on pourrait avoir une killer entry là-dessus, donc une entrée qui tue, quoi, sur un mouvement de panique. Parce que les gens ont dans une peur extrême, mais leur peur extrême, c'est pas d'ouvrir un long glas, c'est hey, « Eh putain, et si ça descend plus bas ?» Et donc, peut-être attendre ce petit moment de capitulation, ce petit chop, réjection, et les petits malins, c'est ceux qui ont acheté là, et après, éventuellement, on va retaquiner les 11 000. Mais même, malgré ça, je pense que ces swings-là qu'on aura sont des swings de résistance finaux, peut-être pour des mois un petit peu dégueulasses. Voilà, j'imagine pas vraiment refaire un ATH, enfin, de cette année. J'imagine pas défoncer ça cette année. Je pense que tous ceux qui ont été bull dans cette période ont déjà leur bague trop surchargée. Et il n'y a plus vraiment de nouveaux acheteurs pour pousser ça vers le haut, en tout cas, sauf si, sur un tweet, bon, Donald Trump dit, bon, bah, écoutez, on va adopter le Bitcoin pour payer vos impôts. Tu vois. Enfin, je ne sais pas ce qu'il raconte. Hein. De toute façon, Trump utilise Twitter pour faire ce qu'il veut avec les marchés. Un jour, ils sont copains avec l'Iran, le lendemain, c'est la guerre. Un jour, ils sont copains avec la Chine, ils vont trouver des accords. Le lendemain, c'est pas cool, c'est des enfoirés, il faut les défoncer. Donc, globalement, je veux dire, les marchés là sont en proie à pas mal de manipulations. Bon, c'est pas une nouveauté, hein. Je pense qu'il ne faut pas se considérer comme victime. Les marchés sont manipulés, on est bien content quand ils sont manipulés de notre côté. Et dis donc, ça fait plusieurs fois que j'arrête ta webcam, il faut arrêter de la réactiver, s'il te plaît, merci. Donc voilà, moi personnellement, je serais enclin à attendre une petite capitulation, une vraie prise de confiance des bears en disant Haha, fuck les boules, et une entrée killer ici. Bien sûr, avec précaution, risque modéré, etc., etc. Les queues bien être mangées, je fais référence à ces queues-là, là, qui sont là, ici et ici, et avec à chaque fois la réabsorption du prix. Donc tout ce qui est tombé là, c'est miam miam, j'en veux. Miam miam, j'en veux. Miam miam, j'en veux. Donc il y a des gens qui sont intéressés grandement pour acheter là, et au niveau de peur extrême dans lequel on est. À mon avis, ça serait pas mal de jouer la patience. Personnellement, j'avais vendu du Bitcoin ici de mes HODL et je viens d'en racheter juste avant le brief parce que à cause du sentiment de peur, on ne sait jamais. La location est vraiment top déjà ici, puisque les queues aiment bien être mangées. Hein, vous voyez, zone de rechargement, mèche, etc., etc. Mais je me dis qu'avec ce sentiment-là, il y a moyen que tous ceux qui disent ah, c'est le bottom et ça vienne chier dans cette zone-là, qui deviendrait une très très bonne opportunité d'achat. Bien sûr, sur une mèche de capitulation, ça pourrait descendre aussi beaucoup plus bas. Prochain arrêt, si on perd ces lots ici et que ça ne s'est pas instantanément réavalé, c'est le point de contrôle ici. Donc, pour ensuite une chasse au stop jusqu'aux 11 000, mais ça c'est l'avenir qui nous le dira. Donc voilà, on va regarder un petit peu en 4 heures comment ça se passe. On va virer la MA 13. On va en regarder un petit peu. Pour l'instant, tous les longs, ouvrir un long là alors que le biais institutionnel n'a pas recroisé, c'est extrêmement agressif. Et il n'y a aucune raison d'être le premier au tournant, sauf si vraiment on veut choper la killer entry. Entre 9100 et 9300, en espérant bien sûr que ça reparte immédiatement dans le sens opposé. Mais en tout cas, tant que les EMA n'ont pas croisé MA 9 et MA 18, c'est pas très cool. Et je dirais que dans ce cas-là, et sauf si on a vraiment des indicateurs de volume, de momentum, genre achat agressif, et que ça y va, et que ça y va, et que ça y va, en disant mais putain, mais c'est pas possible. Qui serait simplement le signe que les mecs attendaient la panique générale pour faire courir tout le monde, et dans ce cas-là, ça repasse boule avec un méga W de la moelleté en délit qui plus est. Hein. Donc, si on voit pas ça, on pourrait tout simplement dire que trend is your friend, hein, la tendance est votre ami, et que du coup, tous les pullbacks sont des opportunités de short.
tous les pullbacks sont des opportunités de short. On est dans ce genre de marché actuellement. Même si il faut être quand même bien couillu et inconscient pour ouvrir des shorts dans les zones de rechargement, sur les supports, etc. etc. Personnellement, je ne vais pas m'y tenter. Je serais plutôt acheteur d'une panique. Voilà, c'est un peu ce que je cherche. J'ai pas grand chose à dire, sinon que je compatis à tous ceux qui ont chargé la mule ici. Bah, courage. Je désespère pas, même sur une chasse à 9000 et quelques, ça vienne remonter par là. Je pense qu'un tag des 11000 à un moment ou à un autre est possible, mais n'empêche que ça sent la fin de la fiesta. Alors aussi, il y a une information à savoir, c'est qu'on considère, souvent je dis oui, ce serait très étonné qu'on ne vienne pas revisiter là, car liquidité, etc. etc. Si à un moment, les shorts, ils vont prendre leur profit. Donc s'ils ne sont pas liquidés avant d'avoir pris leur profit, c'est tout simplement qu'ils ont pris leur profit. Et du coup, il n'y a plus personne à liquider ici. Parce qu'ils gagnent, tout simplement. Ils prennent l'argent et ça repart. Bien sûr, dans le cas où les shorts prennent leur profit et qu'il n'y a plus personne à liquider parce que la descente était tellement juteuse qu'ils n'ont pas hésité à se dire « Ok, c'est bon, maintenant je rachète » puisque la vente à découvert consiste à vendre des bitcoins qu'on n'a pas, c'est ça un short, et à les racheter à notre target. Pourquoi je mets cette target ici à cause de l'harmonique AB égale CD. C'est à peu près ça, quoi. Leur target potentiel est dans les potentiellement 8000. S'ils arrivaient à atteindre ça, ça serait un peu illusoire de penser qu'ils n'aient pas fermé leur short et qu'ils seraient encore en masse à attendre à se faire liquider 11000. Puisqu'à ce moment-là, éventuellement, commencent à faire des W et ils sécurisent leur profit et il n'y a plus personne en haut en fait. Donc en fait, on est potentiellement en train de rentrer dans une tendance baissière confirmée long terme, à l'exception de cette possibilité. Est-ce qu'on va faire un W ici? Voilà, moi personnellement, j'ai pas grand chose à dire, sinon que ça va pas être facile. Apprécier les 10K sur BTC pour la dernière ou l'avant-dernière fois de l'année. Ouais, alors ça, est-ce que tu nous l'as fait à la CZ en disant frappez-vous la tête si vous avez vendu en dessous de 10K? S'il y a, c'est que CZ, il sait rien du tout, quoi. Il a besoin que les gens s'emboulent pour que les gens fassent du volume sur son échange. Hein. Bon, après, il y a peut-être des sous pour manipuler, mais s'il n'y a plus personne pour acheter, il n'y a plus personne pour acheter. Hein. Donc, on tente ici, éventuellement. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'on aura des cheap bitcoins. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Et par rapport au scénario que je vous ai dit hier, un long hiver lent et douloureux, avec pourquoi pas, pour ajouter à ça, un petit ETH qui serait bullish en fin d'année, ça serait sympathique. Je sais pas. Moi, j'aime bien l'idée d'un nettoyage, d'avoir plus de bitcoin, si on est toujours fondamentalement intéressé par l'avenir de cette chose. D'en avoir plus, bah, c'est plutôt sympa. Bien sûr, c'est pas la peine de faire... dès que ça perd 100 balles, ah super, j'en achète plus, ah super, j'en achète plus, ah super, merde, qu'est-ce qui se passe? Ah super, j'en achète. Non, voilà, c'est que il va falloir attendre aussi l'entrée optimale, les W en daily, en weekly, etc. etc. Parce que ça risque d'être long. Vous avez vu comment c'était long cette tendance haussière, là, putain, tous les gens qui disaient « Ah non, ça va redescendre, c'est pas possible, ah ça va redescendre, ah, ça va redescendre. » Et là encore, on est en « Ah, ça va se redescendre » et ça redescend pas, hein. Enfin, ça peine, hein. ça pourrait très bien nous faire le rêve américain, W, et waouh. Donc, mais si on part vraiment sur une tendance baissière bien confirmée, ça peut être long, ne soyez pas trop pressés pour charger la mule. Voilà. Et les bear markets, c'est super aussi pour se former, donc vous savez que notre espace VIP est ouvert. Et pour avoir les bases et vous préparer éventuellement, si on arrivait sur ce mauvais scénario de 6 mois un peu dégueulasse, ça l'année prochaine serait par contre excellente. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, vous seriez éventuellement prêt en nous rejoignant. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vais regarder un petit peu. Ouais. Ouais, donc voilà.
On attend du W, quoi. La divergence, on a eu une petite ici, ok, cool. Est-ce qu'on aura un petit W en Orly pour nous dire vous ne passerez pas, et ça serait plutôt sympa. On a vu ici des signes d'absorption, un petit bottom qui essaye de se faire, donc il y a des signes des acheteurs. Le problème, c'est qu'il y a eu des gros volumes échangés, que ces acheteurs deviennent maintenant résistance. Parce que bah, ils manquent de confiance en fait. S'ils étaient confiants, ils revendraient pas ici. Ils se diraient c'est ok, ça va remonter. Mais j'ai bien l'impression qu'ils sont pas confiants, ils se disent oh merde, j'ai fait une connerie, j'ai cru que c'était le bottom, et du coup ils appuient finalement cette descente. Et oui, j'ai pas fini aussi l'idée d'un scénario. C'est par exemple, on arrive quand je dis sur la killer entry, qui est ici, ces mèches là. On se retrouve non pas à une réjection assez rapide et violente, mais on se retrouve dans une zone où ça consolide. Ça serait très mauvais de faire ça. Parce que tout le monde se dirait, ok, c'est bon, la fin du pire, etc., etc. Et du coup, tout le monde build de ses positions. Et en fait, vu que la majorité ici, je pense, repasserait boule, eh ben, j'ai bien l'impression que ça donnerait du fuel pour une autre descente. Donc voilà. J'ai rien d'autre à dire de plus. Bonne journée à vous. Et demain, c'est vendredi, la dernière avant le week-end.